Ça s'annonce mal. Qu'est-il arrivé? Fuyez! Encore des bandits! Des bandits! Non, pauvre sot. Nous sommes votre armée. Nous revenons de Troie. Gloire à Zeus! Les soldats sont de retour. Oui. Alors, que s'est-il passé? Après votre départ pour Troie, des bandits ont attaqué la ville. Ils ont pris les hommes en otage. Et Chiron? Qui est Chiron? Il fait les offrandes aux dieux. Il a dit qu'un héros viendrait nous sauver. Cela n'apaise pas mon esprit. Nous devrions aller le chercher pour essayer d'en savoir plus. Pour rejoindre les otages, je vous conseille la route de l'ouest. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Winkerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Edge of Mythology Extended Edition pour la mission 7 de la campagne La Chute du Trident avec Arkantos et Ajax. Donc apparemment il y a eu un carnage sans nom à Ioklos et avec des bandits. Et un certain Chiron serait retenu en otage par eux. Et donc apparemment ça va être des unités égyptiennes que nous avons affrontées et on va s'en occuper. Ouh, il y a du monde ici. On va s'occuper de ces Wadjet, donc c'est des cobras, ils ont des petites ailes, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'ils peuvent pas voler. Donc ils sont faciles à taper, ils sont pas très costauds. Ok. Là je crois qu'il y a quelque chose à récupérer, peut-être une relique si je me souviens bien. Bingo. Navire magique apportant de la nourriture gratuite, ça c'est une bonne amélioration, on le prend. Nos héros sont là. Ah, encore un cobra. Enfin, un wedget. Voilà, très très bien. On se met là en position, on attend. On aura tombé dans ce script. Il vous faudra reprendre la cité avant de pouvoir le secourir. Go go go. On va ramener nos centaures en support. Je vais emmener Ajax se faire le cobra là. Et là, par contre, on va avoir de la milice en infanterie, c'est toujours utile. Oh, ils attaquent déjà. Ne traînons pas, il faut sauver le. En fait, c'était une course un peu contre la montre, déjà pour sauver les bâtiments. Ah bah, Ajax, il a dit ah bah, on sauve surtout le bâtiment. Très bien. Donc là, je vais dire à Ajax d'aller chercher autre chose. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec la milice qui bloque, ça va être parfait pour nous. Il y a un chemin, on va le suivre. Les bandits ont presque tout détruit. Ce n'est pas tout. Dépêchons-nous pour les empêcher de détruire des bâtiments qui pourraient servir contre eux. Ok, donc on a un temple. Je vais tout de suite améliorer mes centaures. J'en ai combien? J'en ai 11. Je vais entraîner une hydre supplémentaire, ça devrait aller. Ça va nous être utile pour la Sophie. Et je crois qu'on a récupéré les faveurs. Donc Ajax, tu vas me récupérer ça. J'ai quand même envoyé un centaure dans le doute. Voilà, donc là on va avoir un peu de nourriture qui va se générer grâce au truc. Grâce à ça. Par contre là je perds un peu de temps, je remarque. Donc la prochaine étape, ça va être de détruire cette caserne et cette tour. Parfait. Très très bien. On entend un mulet qui est en train de se faire taper dessus. Ah, des lanciers, très très bien. Nos centaures sont venus des centaures polymères qui sont plus rapides et ont plus de points de santé. Ils ont des casques apparemment sur leur skin, ça c'est cool. C'est dommage qu'avant, enfin, quand Age of Mythology est sorti sans avant l'Extended Edition, on n'avait pas ça, mais bon. Donc là, notre infanterie de base, on n'a pas d'amélioration à faire, c'est des champions. Et je ramène l'hydre en support. Oh, on a une bite. Bon, là, Arkantos Ajax sur lui, ça devrait vite être plié normalement. Par contre, ce qui m'inquiète là, autre repli. Je ramène l'hydre pour aller taper dans les bâtiments. Bon, là, nos sortants vont un peu. Bon, encore, c'est pas la joie, mais ils font le job quand même. Un anubite ici, attention. Voilà, bon, avec le up. Si on va pas trop traîner. Oh, il y a un convoi ici, attention. Donc là, je vais dire à mon hydre d'y aller. Je vais dire. Donc
Là, c'est beaucoup de frondeurs essentiellement, mais on s'en fout un peu. On s'occupe de cette tour. On a perdu un centaure dans l'affaire, c'est pas grave. On va garder notre épaulé police en vie si possible. Je vais ramener mes renforts. Arcontos, tu vas aller par là. Ajax, t'es là, passez là, tu te bats. Il faut raser cette ça. Oh, attention. Ah bah, Ajax il peut one shot quasiment sur un lancer, c'est cool. Là on a gagné quoi, rien. Tant pis. Donc là il faut être assez rapide pour récupérer le plus de bâtiments possible. Je pense que c'est une fois qu'on récupère un secteur, on aura plus de bois ici. Le centre de la cité a été repris. Nous pouvons utiliser ces bâtiments. Très très bien. Donc la nouvelle étape, détruire ça. Oh, les vilains pas beaux là. On gagne une deuxième allée police qui va nous servir. Je vais recruter une autre hydre ici et deux centaures. Très très bien. Ah, un homme scorpion là, on va aller l'attirer. Très très bien. Les hommes scorpions sont très sensibles au tir. Nous on récupère un tas de bois supplémentaires. Une deuxième île. Et je pense que 200 tours supplémentaires vont suffire. Je vais rajouter des unités milices dans la deuxième île police récemment acquise. Et on va le faire tomber la suite. Et je vais renforcer mes défenses pour éviter que mes bâtiments se fassent attaquer. On a des améliorations à faire. Ouh, attention, il y a du people là. Centaure, décoché. Donc là je protège. Oh, c'était le police, ça se fait focus, attention. Très très bien. Parfait. Donc on a un autre centaure encore. Je crois qu'on a une douzaine de centaures, ça suffit hein, globalement. Je vais dire. Hop. La deuxième hydre, vous allez par là. Parfait. Très très bien. La reconquête de la cité est assez rapide. Là, on est un peu en mode, on va dire, Blitzkrieg, hein, clairement. Pareil, les deux lanciers, on les a pas vu. On se dévite. Encore une hélice police ici, c'est cool. Attention derrière vous, les centaures. Ah, il y a d'autres citoyens qui arrivent là. Mais c'est vite maîtrisé. Je vais reculer mes centaures par contre par rapport aux hommes scorpions. Les deux et les polices, vous allez détruire cette tour. Et je vais vous ramener par là. On va essayer de se les faire. Très très bien. On contrôle la situation. On récupère quelques soldats en plus. Je vais reculer mes centaures par contre. Là, j'ai encore des pouvoirs divins, mais je les garde pour le moment, c'est toujours utile. L'hydre va aller s'occuper de ça. La milice, tu recules. Je recule mon centaure pour pas qu'il se prenne trop de dégâts. Parfait. Bon, là, vous le voyez, le scénario se passe assez rapidement. Je vais ramener ensuite mes hélipolis par là. Et là, je pense que ça va être la partie finale pour reprendre la ville. Très très bien. Il ne reste plus que l'acropole à récupérer. Que l'acropole. Que l'acropole. J'aime bien comment on dit ça. Vous les miliciens, vous allez par là, je crois que c'est autre chose. Et on va améliorer encore nos équipements. Mais pourquoi il se focalise sur lui? Je comprends pas là. On va encore entraîner une hydre, on va le faire tout de suite. Ça, il y a Ajax accueille l'homme scorpion, il est en train de se le faire. Parfait. Donc là, on a 10 miliciens supplémentaires. On a 4 et les polices. Donc le calcul va être fait. Donc vous allez là-dedans. Et dans l'autre, vous. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, pardon. Donc là, on a des lanciers, ouais. Il faut que 3 îles, je vais recruter une quatrième. Je vais pas recruter d'archer par contre. Un peu de cavalerie lourde si je peux. Je vais recruter 5, c'est toujours ça d'utile. Les 3 miliciens vont aller par là. Pourquoi tu peux pas aller par là?
C'est un bug ou quoi? Esto, maestro, esto. Au moins que j'ai loupé quelque chose. Esto, maestro. Ah, ils ont pas pu y aller, j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Je recrute quelques cavaliers supplémentaires, ça peut être utile dans notre assaut. Là, les améliorations de force chauffant. Et qu'est-ce qu'on a? Bingo! Une corne d'abondance. On récupère. Ce mulet-là, il sert à rien, il sert pour la décoration, tout simplement. J'ai combien de centaures? J'en ai 12, je vais recruter 2 de plus ici. Là-bas, je vais recruter 2 autres. Ça nous en fera 14. On a 4 îles au combat. Ça va être très utile pour nous. Eux, on les aura exploré ce qu'il y a par là. Je sais pas. Je crois que c'est de l'or, peut-être. Vous trois, vous venez là. Vous restez en réserve. À moins qu'ils soient buggés, je sais pas. Bah, je les supprime comme ceux qui servent. Ils sont buggés, j'ai l'impression. Un peu plus d'or, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah. Deux catapultes, ça me semble pas si idiot que ça. On pourra raser les tours à distance. Il y en a une là, une dans les montagnes ici. Je crois une ici. On va passer par là, tiens. On évitera le gros de l'armée principale. Et on fera le pouvoir du bronze. Toi, tranquille. Là, il y a autre chose, on va aller chercher. Qu'est-ce que nous avons là? Une relique. Ah, ça joue bien. Par contre, l'armure d'Achille, une très bonne relique dans ce jeu que j'apprécie. Augmente la résistance de l'infanterie au corps à corps. Donc là, ça fait que nos miliciens, bah, ils ont combien en plus? Je sais pas trop, mais ça a l'air intéressant. Parfait. Deux catapultes, je pense que ça suffira. Je prépare mes polices. On a 16 centaures, bon c'est largement suffisant je pense. On a une bonne saturation au tir. L'infanterie, on va rajouter 3. Ah, je pourrais plus en faire, mince. Est-ce que je vois pas des unités d'infanterie qui traînent? Ah bah eux, vous servez plus à rien. Là va. C'est que les hydres qui sont focus. Pour le moment, j'active pas mes pouvoirs. Ils vont servir au moment opportun. Très très bien. Ah, je ne peux plus recruter d'unité, c'est ça? Parfait. On fait tomber la porte. Ouais, vous voyez, 4 îles de police blindées, 4 îles et l'armée de centaures, plus 2 héros survoltés, ça fait le taf. Hein. Donc là, ce que je prépare, je mets les îles en première ligne, la cavalerie, je la mets en réserve. Je vais dire tout de suite, oh, des serpents, bonjour. Oh, les vilains brigands. Attention, catapulte, commence à ouvrir le feu sur le bastion Middle. Je vais activer mes pouvoirs. Allez, go! Très très bien. Je vais envoyer mes tourelles s'occuper de ça. Parfait. Pendant ce temps, il y en a deux qui s'occupent de ça. C'est bien, on est en train de venir au bout de l'armée. Le bastion Middle, il est en train de se faire assiéger. Les hydres sont en train de moissonner. Dans le tas. Et voilà. Donc, on ne voit pas Chiron, il est là. Donc, pour ceux qui connaissent Chiron dans la mythologie, c'est le précepteur d'Achille, je crois, et d'Hercule. Merci de nous avoir rendu la ville. Je vous en prie. Mais nous n'avons pas trouvé les autres prisonniers. Un nommé Kemsit était à la tête des bandits. Il a emmené les prisonniers vers la route du nord. Nos gardiens ont dit qu'ils allaient construire quelque chose là-bas. Ajax, rassemblez nos troupes. Nous allons prendre tout ce qu'il nous reste à bord et ce que ces gens pourront offrir. Et voilà, du coup, donc ça fait qu'on va nous rejoindre pour la prochaine mission. Donc combien de temps, je ne sais pas.
mais ça, je ne vous dirai rien là-dessus. Et on va devoir savoir où se trouvent les autres prisonniers d'Iolkoulos. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, à titre exceptionnel, cette semaine, vous n'aurez pas 3 épisodes d'Age of Mythology, mais 4. Je vous mettrai le quatrième dans le dimanche après-midi. Vous comprendrez pourquoi avec le fil de la campagne. Pour ceux qui connaissent bien la campagne, vous avez peut-être une idée, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.